Bon, alors, quatrième et dernière ronde de cette escarmouche organisée par Fulgurogo. Donc cette fois-ci, on est contre un joueur 1Q, il va falloir être plus solide que l'autre partie. On va essayer de jouer plus simple peut-être. En plus, on aime bien jouer avec blanc, donc c'est cool. 45 minutes chacun, 5x30, règle chinoise. Et 7-5 de commis en ma faveur, voilà. Voilà. Donc on va jouer tranquille. On va faire Oshikomoku, je pense. Tranquillement. Et re, du coup, Cour Sud. Désolé, j'ai relancé le stream parce que j'ai oublié de remettre, comme je dis, le délai de 2 minutes. Salut Lumi. Bah non, du coup, t'es seconde, parce que... parce que Cour Sud est arrivé, mais le chat s'est réinitialisé. T'as vu, je suis porteur de mauvaises nouvelles. Donc là, ça approche comme ça. Et c'est la même logique que lors de la ronde 3, quand moi j'étais noir et que j'avais une pierre en R4. On aime bien empêcher le Shimari directement. Donc elle était venue directement en P3. Ben, moi je viens directement en R5 du coup. C'est la même logique. Il met FGC08. Ah, c'est pas FGC, ok. Et ça me pince, ok. Et maintenant j'ai le choix de revenir répondre ici si, tu, si je veux. Ou devenir écrasé. Ouais, Fenring. Costaud. Costaud, costaud. Donc là, ouais, soit ça, soit vers là. Je joue solide ici. Si rajoute un coup là. Peut-être que j'irai prendre le Sansan. Pour dire, regarde, il reste encore de l'SG sur ça, mais moi je prends potentiellement trop grand pour le moment. Et c'est la quatrième ronde d'ailleurs. Hop. Voilà. On est bien comme ça. Il faut mettre le lien de la partie d'ailleurs, je sais pas s'il l'a fait, je vais le faire. Si, il l'a fait, ok, super. Il recule ici, très bien. Marrant, ça semble un peu petit, mais je sais pas. Bon, je vais venir là. Hein. On prend le coin. Très bien. Bon, ça va jouer Moyo direct. Hein. Ça va jouer Moyo. Qu'est-ce qu'il y a, Lumi? Ouf! J'ai dit, on va jouer simple. Et moi, je fais ça. Oh là là. Ouais, c'est parti. Sauf qu'il doit le connaître et moi, je l'ai pas refait depuis un moment. Je suis bête. Pourquoi je joue ça? Ah là là. Je sais que les deux sont possibles. Je connais davantage Q15, quoi. Ah, j'ai connu en tout cas. Il va ici. Non, il va ici, pardon. Je fais là. Il vient ici. Je fais là. Salut Sun Tzu, merci. Bonne partie à toi aussi. Il connecte direct. Connecte direct. De mémoire, de mémoire. Je me souviens de N15 et de O13, je crois, comme réponse pour lui. Ah, je sais plus. C'est ça que je fais là. Tac, j'ai ici, je viens là, j'ai ici, je viens là, j'ai ici, je viens là. Et il est temps.
Yo, je viens de voir ton infortune face à Sophie. Ouais, bon après, c'est pas de l'infortune, c'est une erreur. Salut à toi, Shiny Blood. Faut que je regarde contre qui elle joue, Sophie. Je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Hein. Je ne sais plus. Ça semble pas déconnant. Ça me rappelle des choses. Ça joue là encore. Et je viens là. Regarde si je fais pas de bêtises, hein. S'il faut pas aller là direct, mais je crois que non, j'ai droit d'aller. S'il vient ici, je vais là. S'il vient ici, je vais là. Et s'il connecte, je peux aller ici. Il me reste 3 libertés. C'est ça. Et là, je crois qu'il s'étend tout de suite. Je crois qu'il y a pas. Si, il fait Atari d'abord. Je crois qu'il s'est étendu tout de suite. De toute façon, là, je réponds, hein, et c'est une pierre de coupe. Bien sûr que je réponds. Ouais, il y a un beau potentiel ici hein, pour Noir. Bon, on a joué le Joseki à peu près. Je crois. Pensez à toi ce midi, on a mangé des galettes. Des quoi? Je connais pas. Des galettes des rois? Je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vis dans le déni. Je vais mettre le petit truc après. Hop. Je vais commencer à le préparer. Ouf. C'est ça. Hop. Tac. J'ai oublié de le préparer avant la partie. Hop. Voilà, parfait. Tac. Tac. Ah non, vous l'avez. Bon, ça va rendre un peu plus flou, comme disait Therapy Go, mais... Tac. Normalement, vous avez la... le truc. Donc là, il vient retirer une liberté, c'est une direction, c'est normal. Alors, parce que si je saute, ça peut faire chier un peu toute sa zone. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je fais juste le test. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Oui. Super. Alors. Et maintenant? Est-ce qu'on n'irait pas en Q4 tout de suite? Parce qu'on a le chichot pour le moment. Le problème, c'est qu'on a le chichot, mais si un jour il joue ça, est-ce qu'on a toujours le chichot? Donc si je fais ça, qui vient ici, je viens là, il protège, je prends Chicho, qui vient ici, il faut que je capture. Mais ensuite, rajouter un coup comme ça, et ces trois pierres-là sont vraiment dans la merde. Faut sortir par là, on devrait s'en sortir, hein, parce que ça met la pression sur ces pierres également. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Il faut que je réagisse par ici. Et s'il va là, je viens ici. Il vient là, je descends. Non, je fais d'abord l'atterri, tac, tac, je connecte. Ouais, on va faire ça. On va aller ici. Ok. Il va aller peut-être ici. Hop, il vient ici, je viens là.
Astro Pierre. Bonjour Pierre, débutant, je regarde tes parties et essaie de sentir comment on joue. Et ça follow direct. Bienvenue à toi, merci Pierre du coup. Merci, merci. Ah ouais, comme tu vois, j'ai un niveau de Q OGS. Un Dan KGS, un Q FFG. Donc voilà, si tu veux essayer à peu près de situer par rapport à mon niveau. Essaye de pas trop t'inspirer de ce que t'as vu sur, du coup, sur la partie de ce matin. J'ai perdu. Enfin, après, c'est dans les défaites qu'on apprend. Il faut toujours se dire ça. Comme disait Thérapie Go l'autre jour, qui progresse. Et du coup, là, ça pousse ici. Okay. Mais bienvenue à toi, en tout cas. Merci pour le follow. Il y a un petit retard de 2 minutes, là, parce que c'est une partie de tournoi. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis obligé de continuer, hein. Parce que si je me prends le hané à la tête des trois pierres, bon, elles vont mourir, hein, très certainement avec un Kemal ensuite, ouais. Mais c'est pas très agréable, il fait quand même une zone intéressante. Ce tourné était gros sûrement. Bon, je vais tourner, hein. Sinon il va continuer à jouer avec moi un peu trop. Il faut que je prenne un peu mon temps aussi, il me reste 37 minutes quand même. On est large. Jouer un coup ici, je suis pas sûr qu'il s'autorise ça. Si, en même temps, si, hein, il peut. C'est pas très agréable pour moi. C'est pas très agréable du tout. Parce que là, il fait pas mal de points. Moi, j'ai 3 coins, certes, mais est-ce que ça vaut autant que ça? Bah non, pas vraiment. C'est chaud. En même temps, il faut que je prenne l'avance ici. Et si je peux placer le J16, c'est sympa, mais bon. Est-ce que je suis pas en train de faire de la merde? C'est beaucoup qui développe là, non? Désolé, cette fois je suis pour Fenrir, mais il n'y a pas de souci. Ah bah c'est simple, ici c'est 25 Q, plus bas c'est pas possible. 26, 27, 28. Si tu prends même à l'échelle de l'école de Godren, ça va jusqu'à 50 Q. T'inquiète, t'as fait la moitié du chemin. T'as monté et attaqué. Ah non. Bon, on va essayer de jouer un peu plus large. S'il monte ici, je vais là. S'il monte, je peux aller là. Parce que si je joue juste ça, ça fait un peu trop docile. Il peut venir là, c'est un contre... Ouais, c'est un briseur de chichot. Autant aller là, hein. Ouais, après, il y a l'Atari qui est chiant, mais... Bon, maintenant, ça devrait aller. Hop. On essaie de développer nous-mêmes une zone, mais bon, il peut approcher en C15, alors que moi, à l'intérieur, c'est un peu plus délicat. Bon, le bot, il dirait facile, tu vas en J3 et tu vis tranquille. Mais j'ai peut-être concédé beaucoup, je sais pas. Ok. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Noir.
C'est un peu la merde déjà. Hein. Et là déjà, fait plus que prétendre même prendre tout ça, quoi. C'est beaucoup. Donc j'essaie de compter tranquillement. Déjà, il faut que je prenne le coin, je pense, un tac, et aller là. Il s'étend. Je descends ici. Je suis contre le Kobayashi par principe. Ah, il a fait une sorte de Kobayashi, ouais. Bon, allez. C'est quoi cette échelle, cette histoire d'échelle de Gudren? D'école de Gudren. J'ai dit échelle? Pardon. Je vais venir là, ça met peut-être un peu de pression sur ce groupe. Non, je parle de... J'ai dû utiliser le mauvais mot, hein, c'est pour ça. Je parle de ça. Je sais pas où c'est d'ailleurs. Voilà l'échelle, hop. Hop. Tac, tac. On devrait être à peu près synchro avec les 2 minutes. Bon, il me dans 1 minute. Hop. Ok. Ok. Normalement ça va. C'est pas beau mais ça passe. Et effectivement il peut s'en sortir avec ses pierres mais attention ça abîme vachement ce qu'il y a ici. J'ai failli misclick. Attention. Bon il faut vivre ici par contre. Dès que je protège là ça fait chier quoi. Mais même s'il vient ici, je peux couper. Venir ici, non? Oui, j'ai failli pas répondre. Ok, bon, jusque là, je suis d'accord. Il faut faire 2 yeux ici. Ça marche toujours, non? Bon, ça mérite quand même de réfléchir un peu que si je le tue là. Ça serait agréable. Regarde un peu L18 et M18. M18, s'il prend direct la pierre, je fais atterrir en N17. Du coup, il capture en O19, je connecte en M17, j'ai 4 libertés. S'il m'empêche de connecter avec K18... Je peux monter en N16, il coupe, j'ai plus que 3 libertés. Et lui,
1, 2, 3, 4. Donc ça semble compliqué. Le M18 semble compliqué. Le L18 par contre. L18. S'il descend que 18. Je connecte tout de suite en P18. Ce qui menace que je connecte en M18 après, donc en N19. Hein. Je sais pas si je peux réellement tuer ça. J'ai l'impression que c'est compliqué. Si je fais P18, il joue tout simplement en L18. Je prends un M17 en fait. S'il va en J18, je peux descendre ici. Connect là, je passe là. Atari, tac. Atari, tac. Ça sera un faux œil ici. Ah, c'est compliqué. Mais je crois que P18, je peux m'autoriser. S'il fait L18 derrière, je peux faire directement M17. Et d'ailleurs, s'il protège, je descends ici. S'il revient là. J'irai ici. Ce qui empêche. Qu'il fasse tac, tac, puis Atari. Parce qu'il se mettrait en auto-Atari, il aurait plus qu'une liberté ici. Est-ce qu'il y a d'autres réponses s'il joue ça? On joue ça. Il vient ici. On vient là. Ah non, parce qu'il peut jouer ça d'abord. Merde. Bon, tant pis. Tout ce temps pour ça. Il peut aller en N15 CCNT. Aïe aïe aïe. Piqué. Piqué compliqué. Noir, blanc, noir. Blanc. Je gagne du temps sur ça. Il va ici et je connecte. Et du coup, il n'y a plus ça.
Comme ça, je mets Mia ici et un coup par ici. Y a rien là? Je pense que c'est ça. S'il vient ici, on fait ça. S'il descend, on fait ça. Il capture, on fait ça. Il va là. On vient ici ensuite. Non, on vient ici ensuite. Même s'il vient là, on fait le 4. Qu'est-ce qu'il veut? Comment il peut agir sinon? S'il vient là. On vient là. S'il vient ici, on peut aller là, ce qui rend un fauteuil, donc il a envie de jouer ici. Mais moi, je peux venir là. Ça le tue, non? Et s'il vient ici, je capture. Donc là, il est obligé de réagir par là. Il est mort, non? Ça. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Si noir, blanc. Sinon j'ai ça. Parce qu'en fait, peut-être que si je joue ça. Qui vient ici, je fais ça, il capture, je fais ça, il protège. Que je viens là. Peut-être qu'il peut venir ici. Et quand je viens là, on est sur un séquis parce que. Ah, pas du tout, non, non, il y aura une forme en 3 ici. Non, il est mort si je joue ça. Il joue vide le Philippe. Il s'appelle Philippe. Ouais, il est joué vide du coup là. Ça l'a pas empêché d'avoir un territoire incroyable ici. Faut que je fasse attention à ça. Ça a qu'un œil en soi. Je regarde surtout s'il n'y a pas moyen d'entrer en bas. Sûrement. En vrai, tout à l'heure, je rigolais avec le J3, mais. Enfin, il fait ça. Là, je recule. Je sais pas. Ou même, je fais K2. On essaie de jouer léger, faire quelque chose. C'est peut-être plus facile de faire de ce côté que de celui-là. Ou alors, je viens en K4, mais là, il aura peut-être envie de jouer très solide. Ou alors, je joue en J5 et. Menace d'entrée par là. Mais ça peut se faire seulement si là je suis en tranquille quoi. Un peu triste la musique que je vous fais écouter là. Oh, c'est la dernière de l'album. Allez, après on passe à quoi?
En même temps, il a essayé de vivre en faisant du UC et en prenant l'UC. Attention au retour de bâton. Voilà, en fait, bon, il faut que je compte parce que je sais pas si à quel point je suis en avance. Désolé, j'étais en train de changer d'album. Il a pas mal de points, hein, quand même, encore. La partie est pas finie, hein, oui. On a 60 points ici en fait. Du coup, si jamais il meurt vraiment. 15 là, on va dire. 75. Si c'est dur à dire, on va dire 80 pour le moment. Alors, on a 95, on va dire. Est-ce qu'il y a 95 points ici? Trois fois 8, 24. Oula, je passe une dizaine à l'autre. C'est pas loin, hein. Pas loin, pas loin. Ouais, logique. Logique, logique. C'est énorme ça, hein, en vrai. Avec assez peu de moyens de d'empêcher que ça se fasse. De régler le plus vite possible ce problème-là. Il doit rajouter un coup ici ou faire la taille s'il veut, mais après protéger. Peut-être avec ça. La taille ici. Puis ça. Je vais là. Maintenant, ça. Ouais, c'est assez chiant en fait parce que ce serait dangereux pour tout son groupe. Ouais, simple, il fait ça. On passe à autre chose, quoi. Il me dit, regarde, tu dois peut-être rajouter un coup. Peut-être que moi, j'aurais envie de rajouter un coup par là après. Raison de plus pour jouer tranquille avec Noir. Retour de carré. Dans ce sens-là. Ok, ça joue tranquille.
Il vise ça, tac, tac. Non, ça. Je protège. Non, il n'y a pas grand-chose, ça. Ça donne envie de faire ça, hein, tout simplement. Et quand je viens ici, s'il vient là, je peux venir ici. S'il monte, je peux venir là. Super. S'il avance, que je force, qu'il coupe. Si je viens ici, que je viens là, qui vient ici, je viens là, il vient au milieu. Je peux faire ça. Parce que j'ai la liberté ici, je peux faire le double atterri. Enfin, l'atterri, tac. Et prendre. Attention à tout son groupe du coup maintenant ici. À son dragon. Même si ça devrait aller un peu plus facilement peut-être que celui-là, j'imagine. Déjà B16. Tac, tac. Ou alors même forcer, tac, 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 tac. Peut-être que je sacrifie, qui recule. Et là, il faut que je tente un truc ici. Si je fais quelque chose par ici, ça devrait être suffisant dans la partie, quoi. Mais attention à pas lui donner la victoire non plus. What? Il vise noir blanc. Oula, il y a une séquence un peu particulière ici. Quand il vient ici, il faut que je résiste différemment qu'avec E16, j'ai l'impression. Bon, si vous voulez regarder sur la partie, vous faites vos propres variations, je vous envoie ça. Mais ce que je suis en train de... Bah, ce qu'il est en train de regarder très probablement, c'est noir B16. Bon, je sais même pas s'il a besoin de noir B16. Noir E17. Je vais en E16. Il va en D16 pour me dire vas-y, protège en C17. Mais dans ce cas-là, il peut faire Atari sur mes deux pierres E16 et F16 en G16. Je réponds à l'Atari en F17. Donc là, il a une pierre en G16 bien placée. Et du coup, il peut aller en M14. Je capture. Il refait Atari du coup derrière en O14. Je complète. Il fait Atari en H17 en sacrifiant. Je capture. Ça marche pas puisque ça met Atari sur sa pierre en G16. C'est pas loin, c'est pas loin d'être de la merde quand même. Oh là là, il y avait un truc. Je pense que c'est ça qu'il est en train de lire. Je pense. J'espère que vous avez rien contre Niagara.
On va voir à quel moment j'ai foiré ici quand même parce que je lui donne trop. Ou alors c'est le choix de Joseki qui est assez mauvais par rapport à ce qui se passait ici déjà. J'avais Tenuki. Peut-être qu'il fallait pas aller au Sansan mais approcher en R14 par exemple. C'est possible. Ça change du groupe. Bon, ça va, c'est proche. N16, c'était un coup de pression. Ouais. Clairement. Bon, c'est pareil que s'il avait... Attends, non, c'est pas extrêmement pareil. Si je vais là, il va ici. Je prends. Fata ici. Je viens là. Connect. Je viens là. Blanc, noir, blanc. Noir, blanc. S'il continue, on coupe. On est vivant, de toute façon, en deux yeux. Mais s'il connecte, on va là. Il va ici, on peut aller là. Mais s'il va là. Il se dit, si je fais Atari dans ce sens-là, après s'il va là, je peux plus revenir ici, parce que je me mets en auto-Atari. Mais je pourrais faire ça. Ah oui, mais... Il pourrait connecter. Donc, blanc-noir, blanc-noir, blanc... noir quand il connecte, quand je viens là, et qu'il vient ici... Il faudra faire Atari de ce côté, tout simplement, en fait. Comme ça, s'il avance là, je peux aller là, puisque j'ai pas retiré cette liberté moi-même. Et quand il connecte, je protège. Ici. Je viens là. Si fait arrive, on fait le truc. Hein. Ah, mais après il peut mettre Atari ici. Ah, futé. Tac, tac. Et ensuite il vient là. Je peux pas couper parce que du coup je suis en Atari. Donc je capture et il connecte. Ok. Après je me serais fait quelques points ici. Ça revient au même. Si je viens là, oui, je peux pas faire ça. Hein. Je peux pas aller là. Sinon il vient ici. Je peux pas faire ça. Donc là je viens là. Ici ou pas, ok. Ben, du coup, je descends et ça me donne un bon coup pour réduire un moment, peut-être. Même peut-être ça. Lequel on préfère? Parce que si je descends, qu'un jour il descend, même si je fais l'IEC, quand il descend, ça a l'air chiant. Tac, tac. Ça a l'air d'aller. Sinon ça, qui menace ça. Ah, c'est très bien la descente, je pense. Bon, il faut connecter, je pense. Surtout après cet échange. Et ensuite, quoi? Recompter, j'imagine. Recompter, pour voir si D2 suffit, par exemple.
Pas des deux. Il y aura pas des deux. Bon, mais c'est ça. Il est vivant? Parce que c'est intéressant même de retirer une liberté à ça, si jamais il y a des petites séquences blanc, noir, blanc. Bizarre. En vrai, j'ai envie de couper. S'il vient là, ça a l'air de faire le job. Quoi, cette montée-là? Il vient là. Mais là, je peux venir là après. Blanc. Si je vais là. Non, je vais là d'abord. Non, je peux aller là direct. Blanc. Sinon, on vient là. Je peux pas couper. Je suis obligé d'aller. Je suis obligé d'aller ici. Non, bah non, ça marche pas du coup. Il va là. Enfin, oh si, ça marche. S'il va là, je vais là. Mais en même temps, si là, quand je vais ici, il va là, ben, je coupe. Non, je peux pas couper. Blanc, noir. Si je coupe, noir répond simplement à l'Atari et je vais là et il me capture. Donc attention à ce que je fais. Blanc. Si noir joue là, il faut que je fasse Atari de ce côté. Bah non, parce qu'il répond et je vais là aussi. Ok, donc c'est compliqué. C'est plus compliqué qu'on n'y est pas. Peut-être qu'il faut tout simplement. Non, il faut pas que je touche ça en fait, il faut que j'aille là. Mais du coup, il pourra venir ici, je vais là. Et ensuite, il vient ici. Bon, après, c'est gros hein, de pouvoir descendre en B16. Est-ce que du coup, c'était pas plus B14 mon coup avant? Non, je pense pas que ça changeait. Oh, peu importe. Deux points. Bon, et maintenant il vit avec C13. Qu'est-ce qui se passe si je vais en A13? Non, il vit bon. Par contre, il faut rajouter un coup. Après, est-ce qu'on peut pas faire chier avec A12? Et faire un coup? Non, ça va pas l'air. Je suis pas sûr. Bon, il y aura des menaces. Par contre, c'est cool, on a gagné ça. Bon, peut-être qu'il faut que je défende là d'abord. C'est vrai que j'ai pas répondu à ça. Ah, c'est gros. On va raconter tranquillement aussi. Ah, peut-être que je peux faire ça là. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais, il a le chichot pour l'instant. Donc il faudrait plutôt connecter par au-dessous plutôt que sortir notre pierre.
Il peut capturer ou connecter, tac, puis capturer d'une manière ou d'une autre. Et nous, on peut aller là. Et on garde un gros coin en soi. Ou alors, on fait ça. Tac, et on descend. Je peux couper. Je vais là. Je fais double atari. Je vais là. Descends ici. Et moi, je vais là. Ouais, mais il peut fermer facilement. Je sais pas si je gagne beaucoup plus. Hein. Je sais pas, je sais pas. Là, ici, il va me rester des coups par là. Peut-être ça ou ça. Faut que je compte un peu, j'imagine, hein, on disait. On va compter. Ouais, en 90 à peu près. Peut-être un tout petit peu plus, mais vers 90. Combien ça fait si je fais ça, la séquence, je serai à une centaine, quoi. Et si on fait cette séquence, lui, il sera combien? Ça a l'air viable. Est-ce que je peux capturer? Pour me donner un meilleur IOC ici. Tac. Si Fatari, je reviens là. Ensuite, je reviens ici, je viens là. Ouais, mais après, ça fait que. Pourquoi faire cette Atari? Donc, je finis goté en fait. Alors que si je fais ça, certes, je n'ai pas mon point IOC ici. Mais je finis Sente. Parce que là, blanc. Donc, si je fais classique blanc, noir, je joue ailleurs. Mais j'ai du mal à faire à bouger ici parce que j'ai pas capturé cette pierre. Donc, à tout moment, il y a la tarée ici. Je peux pas trop faire une glissade, n'importe quoi. Alors que si je capture, il n'y a pas de pierre ici. Donc, on peut peut-être aller faire une grosse glissade, quelque chose du genre. Mais, je capture, il fait atari. Je protège. Et quand il revient prendre, je fais atari comme ça. Il capture certes, mais si je joue ailleurs, il pourra revenir faire Atari en B5. Je capture et il connecte. Et il me coupe. Donc c'est un peu chiant. J'ai pas trop envie. Je préfère finir Sente et tenter des trucs par là. S'il répond là, on vient là. Et il faut encore qu'il réponde. Donc il va capturer, je pense. Ou pas. Il se dit qu'il veut rajouter ça du coup. C'est un peu moche si je fais ça, mais je retire une liberté. Tac, s'il vient là ensuite. Viens là. Ouais, c'est un peu chiant. On va éviter.
Et là, il faut fermer comme ça, un truc genre, ou même ça, c'est pas mal. C'est gros, hein, mais je vais jouer ailleurs. Je peux pas juste laisser ça se fermer. Il faut que je joue par là et que je sente un truc pour rentrer. J'ai une séquence intéressante ici. Ça menace d'aller jusqu'en G2 par exemple. En G3 par exemple. Mais en même temps, aller en J5, ça peut être intéressant aussi. Jouer sur ces faiblesses-là. Ok, bon, ça c'est gros. C'est la vie. Oula, Bryce qui tente la variation interdite. Comment ça, la variation interdite? De quoi te parles-tu? Celle-là? En vrai. Ah oui, t'as 2 minutes de retard, ouais. J'en suis où pour le stream? Ah oui, je viens de faire ça, oui. Oh, il est chiant, là. Il est chiant, il est chiant. En vrai, je peux pas tenter là ça, s'il me coupe, j'ai... En vrai, s'il me coupe. Je viens là? Non, je viens là. Donc là, je peux aller ici. S'il coupe, je suis vivant dans le coin. Donc j'ai gagné ce coup. Ah non, je peux venir là. Capture, je peux venir là. Quasiment vivant avec ça. Et lui, il y a des problèmes, quoi. Ah, c'est tentant. C'est tentant. Ah, je fais qu'un. Hop. Ouais. Il y a toujours ce coup-là, hein. Peut-être qu'il va vouloir aller là d'abord, menacer de me couper moi-même. En vrai, rien qu'un J3, c'est tellement chiant pour lui, il perd tellement de points. Il fait blesser ici aussi. Hein. J'hésite entre ça et ça en fait. Peut-être ça.
Il n'a pas encore coupé en soi. Ouais, mais tac tac quand il coupe je connecte là, ou alors tac tac quand il coupe je connecte là, donc je descends là, et ici s'il coupe je capture la pierre et ça tue tout ça. Non, bon, je peux même aller là peut-être en fait. Ouais, mais si je fais ça, ça lui laisse une fenêtre pour tac 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 et faire un œil ici. Donc tant pis pour ce coup-là, il va pouvoir descendre, je vais là, mais en fait ça de points en plus c'est suffisant, j'ai déjà bien réduit, et même il me reste par là. Donc ça c'est très bien. Et s'il coupe tout de suite, je fais connexion bambou, genre, comme ça. Non, connexion bambou. Donc là, on a dit ici. Et les deux points sont mi-high, sont équivalents. S'il coupe là, je connecte là. S'il coupe là, je connecte là. Et 6, c'est E6. Après, quand il coupe là, d'abord il faut que je mette Atari, je pense. Non, ça change rien. Il va vivre en fait, parce qu'il peut faire Atari là. Ou alors je fais cet Atari, mais il capture. Et je dois protéger ma pierre, mais là quand il coupe, je peux pas mettre Atari. Donc il va vivre. Donc il faut que je vive de ce côté. Enfin, je peux connecter en fait. Faudrait qu'il fasse l'Atari d'abord, mais c'est risqué parce que je pourrais faire ça. Et du coup, ça serait un faux œil. Donc non, ça serait une fausse bonne idée pour lui. Donc là, il fait ça. Et en vrai, comme il est déjà vivant. Je ne réponds pas à ce coup. Je viens là. Ou même ici. Tout simplement. Parce que s'il vient là, bah je réponds pas non plus. J'ai un œil là, j'en aurai un autre ici. Si je vais là et qu'il répond quelque chose dans la zone, ben bah je m'étends. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de détruire ça à la base. Soit maintenant que son groupe est vivant, cette pierre de coupe, elle n'a plus trop d'utilité. Mais elle a le mérite d'exister si un jour il y a des problèmes ici pour ces points de coupe. En vrai, là, un petit coup en L3 pour lui. Parce que bloquer direct, ça marche pas trop, je pense. Mais cette descente, ouais, je n'y réponds pas, je pense. Vraiment, je vais en M3 et c'est bien plus gros. Ok, c'est bizarre de s'attacher à cette pierre. Ah, après, elle justifie que grâce à cette pierre, H3 est un faux œil. C'est vrai. Bon, après, je peux connecter ici.
Mais si elle meurt, c'est compliqué aussi. Blanc, noir. Blanc. Un noir se casse, sinon si je prends ça, j'ai l'air d'avoir assez de place pour faire deux yeux quand même. Déjà, je menace d'aller encore plus loin. Et même s'il vient par là, je viens là, j'aurai un œil ici, un œil là. Je peux même tourner là. Ouais. Et ça détruit beaucoup cet endroit-là. Et s'il recule, bah, je connecte. Le job est fait. Hein. Ouais, c'est large suffisant, j'ai pas besoin d'être gourmand. J'ai pas besoin d'être gourmand, allez hop. C'est très bien de faire ça. Vous avez gagné. Ouais, c'est suffisant. Hop. Ouais. Merci pour la partie.